Yo les gens, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Pour ma part, ça va super. On se retrouve pour une petite vidéo de glitch. Un glitch de duplication plaque propre. Un glitch plutôt simple à faire. Donc, pour pouvoir faire ce glitch, les potos, on aura besoin d'un ami qui nous aide. L'ami qui aide, il n'a rien besoin d'avoir comme prérequis. Pour celui qui va faire des duplications, par contre, il va falloir qu'il ait un Avenger. Il va falloir aussi avoir soit l'arène ou l'atelier auto pour faire des duplications. Donc moi je vais faire des duplications avec l'arène. Avant de commencer la manip, j'ai déposé dans l'arène le véhicule que je veux dupliquer. Après les poteaux, si vous n'avez pas l'arène, vous pouvez faire des duplications avec l'atelier auto. On aura besoin aussi d'avoir des véhicules à perdre, comme des Eligarage 8 à 0$ par exemple, qu'on va mettre dans les garages. Donc les poteaux, le plus simple et le plus rapide pour faire ce glitch, c'est de se rendre à côté de l'endroit où on va faire les duplications. Donc moi je vais faire les duplications avec l'arène. Je me rends à côté de l'arène, je me mets en sécuroserve et j'attends de recevoir une invitation au braquage du complexe. Une fois qu'on a reçu l'invitation au braquage du complexe et qu'on a tous les prérequis, on va pouvoir commencer le glitch. Les poteaux, faites comme dans la vidéo, lancez le braquage à côté de l'endroit où vous êtes, comme ça quand on va faire la manip, on apparaîtra à côté de l'endroit d'où on aura lancé le braquage, les poteaux. Donc là, je lance le braquage. Une fois dans le complexe, là, il va falloir monter dans un véhicule. Une fois dans le véhicule, on va faire flèche de gauche pour rentrer avec dans l'Avenger. Une fois dans l'Avenger, on quitte le menu et on descend du véhicule. Une fois qu'on est descendu du véhicule, on fait palais tactile et on invite dans l'Avenger l'ami qui aide. L'ami qui aide, lui, va recevoir l'invitation sur le téléphone. Il va l'accepter. Une fois que l'ami qui aide est arrivé dans l'Avenger, il va sortir le téléphone. Il va aller dans les contacts et il va demander une mission, par exemple à Siméon. Une fois qu'il a demandé la mission à Siméon, il va monter dans le véhicule. Il va sortir son téléphone et il va ouvrir en grand l'invitation à l'activité de Siméon qu'il a demandé. Ok? Il va rester avec l'invitation ouverte en grand. Dès qu'il commence à voir l'écran noir qui apparaît rapidement, il va falloir qu'il spamme la touche X. Dès qu'il voit l'écran noir, il va spammer la touche X. Donc, pendant que mon ami est côté passager, il a ouvert un grand invitation à l'activité de Siméon. Il me le dit, moi je fais flèche de droite pour entrer dans le menu de customisation. Puis je fais rond et je me place sur sortir de l'Avenger. Donc là, je vais confirmer, je vais sortir de l'Avenger. Et dès que mon ami commence à avoir l'écran noir qui apparaît, rapidement, il spamme la touche X. Ok? Donc je fais X pour sortir de l'Avenger. Dès que l'écran noir apparaît, mon ami spamme la touche X. On va se retrouver tous les deux sur un écran noir avec un chargement sans fin. Donc moi, je rejoins Anawak. Mon ami, lui, il va rester sur l'écran noir. L'ami qui aide, il reste sur l'écran noir. Donc je rejoins Anawak. Vous aurez le PSN à rejoindre dans la description. On le rejoint et on accepte tous les messages. Donc on a une cinématique, ça nous envoie dans les airs, puis on va réapparaître sous la map, dans le véhicule. Là on patiente quelques secondes, au bout de quelques secondes, on va avoir le message vous êtes mort. Et là, avec l'ami qui aide, on va apparaître à côté de l'arène, à côté de l'endroit où j'ai lancé le braquage. Donc l'ami qui aide, lui, il est toujours dans l'écran noir, dans le véhicule. Il va rester comme ça. De là, je vais rentrer dans l'arène. Dans l'arène, j'ai le véhicule que je veux dupliquer. Je vais monter dans le véhicule, je vais accélérer, je vais pouvoir rouler dans le garage. Je vais me coller à la porte de sortie tout en bloquant une porte. Après les poteaux, vous connaissez, on descend du véhicule, on prend un deuxième véhicule. Et avec le deuxième véhicule, on bloque la seconde porte. Une fois qu'on a bloqué les deux portes, on va se coller à la porte de sortie.
on est placé sur sortir du garage. Là, on fait X et triangle, on appuie sur les deux boutons en même temps. On doit apparaître à l'extérieur avec le véhicule. L'ami qui aide, lui, il est toujours dans l'écran noir. Donc là, on va d'abord commander le centre d'opération mobile. Une fois qu'on a commandé le centre d'opération mobile, on va appeler le mécano et on va demander à se faire livrer un véhicule, le véhicule à perdre. Donc on se fait livrer par exemple une Heliger H8 à 0$. Et au bout de 10 secondes qu'on a commandé le véhicule, on va dire à l'ami qui aide qu'il rejoigne Anahuac. Le PSN à rejoindre sera dans la description. Donc l'ami qui aide, là, à partir de là, les poteaux, il a 20 secondes pour rejoindre Anahuac. Si par exemple l'ami qui aide tarde trop à rejoindre Anahuac et que entre temps, avant qu'il rejoigne Anahuac, vous recevez un coup de fil du mécano, le mécano va vous dire qu'il n'a pas pu livrer le véhicule. Si l'ami qui aide n'a pas eu le temps de rejoindre Anahuac avant que vous receviez ce coup de téléphone, vous dites à l'ami qui aide qu'il attende, qu'il ne quitte pas, vous recommandez un véhicule à perdre, puis on attend 10 secondes et là on dit à l'ami qui aide, qui est toujours dans l'écran noir, qu'il rejoigne Anahuac et qu'il accepte tous les messages. Ça va l'envoyer dans les airs, puis il va apparaître dans la session juste à côté. Quand l'ami a rejoint Anahuac, à moi, ça m'a changé la plaque d'immatriculation du véhicule et là j'ai une duplication plaque propre que je vais sauvegarder dans le centre d'opération mobile. Après les poteaux, si on veut faire d'autres duplications, on sort avec le véhicule, on se rend à côté de l'endroit où on va faire les duplications. Dans mon cas, je me rends à côté de l'arène. Une fois à côté de l'arène, je lance le braquage du complexe, le Bogdan, et je répète toute la manip. La vidéo, elle arrive à sa fin. Portez-vous bien les poteaux et à très bientôt. Ciao !